Une bande riveraine. Pourquoi? Il existe plus d'une raison de mettre en place ce projet environnemental sur nos terres. Au Québec, nous devons apprendre à vivre avec des alliés des cultures, mais aussi les indésirables. Les mauvaises herbes là, que je déteste, font les indésirables, les appels de main, ils sont portés toujours à partir du bord du champ. Là. Ils partent sur le bord du fossé, ces mauvaises herbes-là, puis ils s'en viennent dans le milieu du champ au fil des ans. Fait qu'en faisant une bande riveraine sur le bord du fossé, là, on lui met comme un cordon, là, puis ça les stoppe. Fait que c'est une bonne idée. En stabilisant nos berges, nous prévenons l'érosion de nos terres tout en augmentant nos rendements. La plantation d'arbres et d'arbustes dans la rive réduira l'érosion éolienne et retiendra les pesticides. Puis on veut que l'ouvrage reste là longtemps. Fait que moi, je recommande à tout le monde de faire. Moi, d'ailleurs, mes bandes riveraines, celle-là est élargie. Toutes mes autres secondaires vont être élargies dans les années à venir. C'est de quoi de durable qui reste là. T'implantes ça, c'est bon pour au moins 10 ans. La portance est bonne partout autour du champ. T'arrives pour aller faire un travail quelconque dans le champ, tu te promènes dans la superficie de foin. T'emmènes pas de terre dans la rue. Moi, je suis en ville, à Sorel-Tracy. Fait que c'est important que je salisse pas trop la route. Fait que il y a plein d'avantages à avoir ma bande riveraine. J'adore ma bande riveraine.